te présenter. Florence Di Nicola, je suis directrice marketing chez Alchemix depuis ses débuts. Je suis en charge donc de faire en sorte que l'ensemble de l'écosystème comprenne ce qu'est Alchemix. Alors Alchemix c'est quoi? Alchemix c'est une plateforme d'échange et de partage d'informations produits entre industriels, producteurs, marques et distributeurs de l'autre côté. Et puis de plus en plus, en fait, cet écosystème grandit et on a aussi des applications consommateurs, on pourra en parler plus tard si besoin. D'accord. Et du coup, est-ce qu'Alchemix est adhérent à l'Institut du Commerce? Oui, oui, nous sommes adhérents. Très bien. Alors, la question choisie, c'est que feriez-vous pour regagner la confiance des consommateurs? Alors, nous, c'est une question qu'on... bien évidemment, hein, c'est dans l'air ambiant, on va dire. On a lancé, et il y a un peu plus d'un mois maintenant, les résultats sont sortis cette semaine, une étude avec Opinionway, un institut de sondage, pour interroger les Français sur leur position vis-à-vis de la transparence sur les produits alimentaires. Et qu'est-ce que nous révèle cette étude? C'est qu'il y a vraiment un lien très important entre le niveau de confiance et le niveau de transparence et de partage d'informations aux produits. Et en fait, 83% d'entre eux estiment que c'est utile et important d'avoir de l'information sur les produits qu'ils consomment, mais 60% d'entre eux estiment qu'elles sont, ces informations, imprécises, peu complètes, pas assez détaillées, pas assez transparentes. Et donc en fait, si je me posais la question de que faire pour regagner la confiance des Français, en lisant simplement déjà les résultats de cette étude, ce que je ferais, c'est que j'essaierais de re-hiérarchiser, j'arrive pas à le dire, re-hiérarchiser, c'est mieux effectivement. J'essaierais de re-hiérarchiser les informations disponibles sur l'avant, la face avant du packaging. Parce que sur le top 3 des informations primordiales, il y a d'où vient mon produit, sa provenance. Qu'est-ce qu'il y a dedans, sa composition. Donc arrêtez de tourner le packaging dans tous les sens pour voir la liste d'ingrédients et la date limite de consommation. Donc il y a déjà un problème de hiérarchisation et de lisibilité des informations qui sont importantes dans le choix du consommateur. La deuxième chose, ce que je ferais si j'étais industriel pour regagner en fait la confiance, c'est que je partagerais de la manière la plus transparente possible cette information sur mes produits, y compris auprès d'applications transparence consommateur. Et donc aujourd'hui, Alchemix, pourquoi je vous dis ça et pourquoi ce sujet nous intéresse grandement, c'est que non seulement on permet aux industriels de partager de l'information aux distributeurs, mais aussi auprès de toutes ces applications, tout cet écosystème d'applications de transparence consommateur pour répondre aux nouvelles attentes du consommateur et leur donner à nouveau confiance.